Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous voir ce matin. On a a priori entre 5 et 6 GHT qui sont présents ce matin. Je disais aussi tout à l'heure, dans le choix de la donnée ici, et ce qui va être très intéressant d'un point de vue vraiment métier, c'est la phase de la conception, la phase qui revient à choisir la donnée. Donc encore une fois, je disais, c'est plusieurs centaines de données disponibles. La façon budgétaire, la façon dont les nomenclatures avaient été intégrées, était très très différent. Et il faut importer cette nouvelle nomenclature que la DGOS nous a gentiment fournie. De professionnalisation du GHT. Hein. On cherche à avoir les outils nécessaires à la mise en place d'une bonne organisation centralisée au niveau de notre GHT. Mm-hmm. Et on cherche à développer nos pratiques par le biais d'outils comme ça informatiques qui pourraient nous permettre une meilleure efficience de nos moyens. J'aimerais qu'après la section de Corbenco sur la gestion de projet de A à Z était peut-être la partie qui nous concernait le plus peut-être, ouais, par rapport aux problématiques qu'on rencontre, mm-hmm, nous tous les jours dans notre métier. Possibilité de mise en place, c'est vrai que par rapport aux modules qui sont proposés par cette solution et par l'ensemble des données qu'on peut y rentrer pour ensuite avoir des différents tableaux de bord, c'est une solution qui pourrait être qui pourrait nous intéresser. Les votre pratique du métier. Surtout les liens entre les différents interlocuteurs qui sont parfois toujours compliqués parce que ça passe par un mail, mais vous savez bien qu'il faut chercher des mails, on l'air totalement derrière. Ouais, on est sur des méthodes assez archaïques, hein, le mail ou le fichier Excel, et c'est vrai que ce sont des possibilités qui permettraient d'avoir une optimisation de nos